Alors, ça, est-ce que c'était juste ça le problème? Le même matin, la même putain d'émission. La même putain d'émission. Alors, je vais juste faire un petit truc. Qu'est-ce que je voulais faire? Putain, je sais plus du tout. Ah oui, c'était juste le... Placer le stream bien là, hop, c'est en kit. Let's go. La Baratino va prendre bien soin de vous. Voici le premier morceau de mon premier album. Oh, comme le temps passe. Là, ta gueule. Ah oui. Ça, a priori, je récupère à chaque fois, donc c'est sur une carte postale scientifique SPP. C'est un peu flippant. Ok, donc là on a des infos en fait sur les mecs. Ok, 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 oh, on a des infos sur tout le monde là. Ok, ok, ok. Oh, j'ai des infos sur tous là en fait. Ne lâche pas son pinceau. Ok, putain, je galérais à lire quoi. Les gens qui m'ont dit Nexus. Ok, ouais. Ok, sympa. J'ai toujours pas les cartes postales hein, par contre. Tu l'as noté sur le bac riff. Ah, oh là, elle est là, la carte postale. Ah, mais oui, c'est la fameuse. Oh, quel trimar. Putain de sale blague. 0104. Bon. C'est parti pour le brisage de boucle. Tu ne briseras jamais, jamais la boucle. C'est totalement impossible. Tu veux que je la brise? Tu veux pas que je la brise? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu sois pas un enfoiré. Super. C'est une matinée ou deux au top. J'en ai ma claque de toi et de tout ce bordel. Ça se termine aujourd'hui. Et par où commencer? Updown. Ah, il nous le marque quand même, c'est au cas évident. Où. On soit un peu trop con. Genre moi un peu quoi. Bonjour Blackley. Ici Juliane Arlette, je viens de Broloch, d'arme grossière. Est un explosif versatile. Équipez vos charges. Ok, ok. Ok, ok. Je sais pas si j'aime bien le comme elles sont les touches. Oh, il va me falloir plus de munitions. Pourquoi on mettrait ça dans... Wow, putain. Wow. Wow, oh, ok. C'est normal que ça fasse ça. Oh, c'est froid et bizarre. Mais pouvoir un peu ça. Cette mystérieuse pièce de métal module confère la capacité de reprise. Deux fois après avoir trouvé la mort. Enfin, ouais, ok. Après avoir. La vie, car sinon, vous pouvez demeurer invisible quelques secondes. Ok. J'y vais. Ok. Posséder un flingue, pas une grenade, une adresse. Faut me courir. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai des petits objectifs quand même.
Ok, c'est ce que j'ai en fait. Ok, c'est ce que j'ai récupéré. Voici quelques conseils pour bien démarrer. Les pistes enregistrent les informations découvertes. Ouais. Vous avez découvert. Toi ici. Ouais, bah. Ah, oui, d'accord. Ok. Le jour le plus long. Ok. C'est dangereux par ici, il faut vous équiper. Ok. Les breloques sont de petits appareils pour un grand avantage. Certains. Jadwin breloque utilisait le curseur pour sélectionner un emplacement. Faites un double saut. Ok, cool, j'aime bien. Ok. Plus d'armes, vous pourrez les choisir ici. Nombreuses breloques, modifiez vos armes. Ok, d'accord. Ok, allez, let's go. Let's fucking go. C'est ce putain de mode spectateur qui fait chier. Enfin, la prévisualisation. La prévisualisation. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay. Je t'ai demandé de faire quelque chose de différent et tu décides d'aller à Uptown? Comment tu sais où je suis? T'as des caméras ou quoi? La radio repère ta position. T'as toujours l'air si surpris, comme si je ne savais pas exactement où t'allais. Je sais même pas moi-même où je vais. La place d'Orsay est juste en bas de la rue côté falaise. Elle laisse-moi deviner, premier étage. On dirait que tu attends une invitation. Pour que tu me remontres ta tireuse à bière. Un autre moi, ce colt-là en a plein la main. Tu m'en diras tout. Okay. En fait, ah non, mais je veux. Okay. Ta stupide. Je l'aime cette veste. Oh. Ok. Comment on a dit qu'on... Ah ouais, pour avoir des infos. Ok. N'a pas une oh faut que je change une touche le coup de pied on va mettre ça. Si je les dégage, on va voir. Oh, je l'ai dégagé. Il y a plus facile d'éviter un combat que d'en déclencher. Ah. Ah oui, ok. Faites du bruit, ouais. Il est défoncé, lui. Aime le corps à corps, attends qu'il se passe quelque chose. Équipement basique. Armée rapide, n'a pas conscience de votre présence, kit standard. Ok. Je vois pas bien ce que je peux faire là. Ah, attends, j'ai l'impression qu'il y a une bouteille là-bas. Là, il y a personne. Le double saut, j'aime beaucoup en tout cas. Mais dingo, chérie, vous êtes qu'un souffle de l'endroit. Oh là, il y a plein de gens là. Oh. La bibliothèque. J'espère que vous êtes prêts à tout. Ah non, mais non, ça sert à rien. Ah.
génial. Je commence la boucle avec le dos en pompote. Mais ça valait le coup. Oh là là, quelle rapidité. Je suis max. Oh. Changer d'arme. Maintenant, pour faire apparaître les équipements principaux. Deux armes, vous gagnez en puissance mais perdez en capital, ok. Ok. Ah oui, il y avait des armes là. Attends. Ok. Je sais pas, je le sens bien ce flingue. Non. Ouf. Ok. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait. Ah ouais, mais j'ai deux fois la même arme, ce qui sert strictement à rien en fait. C'est quoi ce truc? Ok. Oh. Wow! C'est quoi ça? Oh, ça a pété. Ah, j'ai dû le lancer comme un tocard. Mais pourquoi c'est comme ça, ça va? Ok, non, ça va. On sait pas quoi. Emmerdé. Ah là là, là on a de quoi faire un petit peu. What the fuck, et c'est quoi ça? Ah, faut que je continue en fait. Oh putain de sa mère. Quoi? Deux, je peux les prendre à la machette. Ok, le sniper, j'aime beaucoup. C'est censé être chez moi ici. C'est étroit. Là, c'est chez moi? Oh. L'équité des armes est variable, dans l'équipement, l'équité vaut toujours mieux. En toute discrétion pneumatique, ouais. Ok. Wow. Pas encore trop compris le principe du jeu, mais... N'abandonne pas. Pas question. Mais merde. Bonjour à tous, quand t'as essayé de briser le pour qu'il fasse une connerie, quoi. Ouais, soit t'as trouvé l'autre moitié de ton cerveau tête de cul, j'ai un plan pour lui. Laissé par les adultes. Ok. Merde, ces mecs sont acherbés. T'es encore debout, j'ai besoin des yeux. Tu vas bien, j'ai déjà fait, je te rappelle.
moi, okay. Je complimente tout le temps les gens. La boucle est gérée à partir d'une salle de contrôle. Je savais, putain, trop facile. Personne n'a touché notre bien trop facile. Ok. Déterminé pour le prochain étape. On va déjà faire une boucle. Tu te fous ma gueule! Breloque personnel. Pas besoin de munitions. Oh. Ok. Ah ouais, c'est du one shot. Bon, je vais se défoncer, moi. Ça me fait n'importe quoi, là. Ouais, ça m'amuse, hein. J'ai l'impression d'être un monstre. Oh, après, je l'ai one shot. Que de la merde, dis donc. Oh, lui il a une bonne arme, je pense. Oh, c'est quoi cette arme? Merde, j'avais pas capté que c'était ça. Oh, merde, merde, merde. Ok, je suis dead. Ah oui, ah ouais, c'est... Le module, je veux qu'on fasse... Ouais, c'est envoyé la pute. Ah ouais, il y a plein de monde là. En fait. C'est neuf là. Oh merde, 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 ok. Tu fais quelque chose après? Peut-être un truc, non? Merde. Il y a un truc qui cloche. Pour moi. Putain, mais ça c'est vraiment de la... Ok, lâche-moi. Ok. Là, on a fini une boucle. Bon, je vais essayer Cyberpunk, voir si ça marche aussi. Ok, ok, ok. Ok, il va falloir...
ça marche où là? Donc là, je suis en qualité de pourrave, quoi. Ah oui, d'accord. Plus simple d'aller dans l'autre sens. Ouais, parce que j'attends. Ouais, voilà. Sinon, l'ordi va péter un plan, je pense. Mais là, ça a l'air de très bien marcher, en fait. Ok, ah ouais, c'est vrai que j'étais là. Et ouais, là, ça marche nickel. Hein. Bah, écoute, très bien. Du coup. Ah oui, puis ça faut que je retourne vers l'autre. Ouah. Recyclage, ouais, c'est bon, station N-Carte déserte. Il y a un marché dans la partie sud de Japantown, sur une passerelle au-dessus de la rue principale. Prends les ascenseurs pour éviter de te perdre. Je suis déjà en chemin. Ne me fais pas attendre. Calme-toi, Gaga, par contre. Mais attends, il me fait chier, lui. C'est ça que je vais faire, là. Ouais, voilà. Maintenant, faut que je fasse ça, ok. Ah oui, ok. On va faire la de la main. Vous m'avez trouvé. Bravo. Ça en valait la peine. Sur une échelle de 1 à 6, je dirais un bon 6. Je pense savoir que nous savons ce qui va se passer ensuite. Tu manques à de la main. Je viens t'arrêter. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. J'apprécierais vraiment que tu compliques pas les choses. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est. Mais voici un indice. Posséder un peu le... Je vais vous tuer. Et il ne reste plus de gâteau. Je crois qu'elle est buggée en fait. Ouais, bon, on va pas le faire tout de suite parce qu'elle m'a l'air buggée comme jamais. Oh! Ah, ouais, mais non, je peux pas trop loin. C'est qui joue de la grappe là? Oh! Moi aussi je veux de la gratte. C'est ça? Vas-y. Vas-y Déon. Ah mais non putain, je viens de là. Ah oui. Le petit enfoiré qui m'a baisé là. Tu es revenu? Mais comment tu as fait? C'est le type que t'as envoyé au GIM? Ça n'est pas tiré, on dirait. C'est quoi au juste? Je l'ai vu avant que mes fusibles grillent. Les gars démarquaient les agents de Netwatch sur le réseau de Mosley. Ça s'appelle. Mais non. Ces agents de Netwatch l'ont avalé. Il a détruit le réseau, les forums, mais pas toi. Toi, tu as recraché la lumière. J'aurais peut-être dû passer un marché avec Netwatch. Ça m'a rapporté que dalle de bosser avec toi. Une balle dans le crâne, des embrouilles avec Netwatch. Tu crois quoi? Que tu serais le champion de Netchias? Assez.
Il faut qu'on descende. Ce n'est pas terminé. Netwatch va... Tu vas pas l'emmener à la crypte, j'espère. C'est un ragnon. Il a rien de spécial. Tu as vu les scans? Je les ai vus. Santikonia, fais tout... Vous devez être Brigitte. Vous êtes pas facile à trouver. Tu as quelque chose pour moi. Vous êtes au courant pour la biopuce, hein? Oui, et il faut vérifier son état. Ils vous ont appris quoi, mes scans? Sûrement plus qu'un placide. Vous avez reconnu la biopuce, vu que vous la recherchiez déjà? Il faut qu'on t'examine. Si tu as survécu au GIM, c'est grâce à la puce. Il aurait fallu y penser avant d'essayer de me tuer. Si j'avais été là, la puce n'aurait couru aucun risque. Si elle est en bon état, on peut t'en offrir un bon prix. Et peut-être plus pour les dégâts émotionnels. La biopuce est pas à vendre. Et vous pouvez pas me l'arracher. Elle était déjà dans un sale état avant que j'entre au GIM. Elle ne fonctionne pas? C'est pas si grave. L'ennui, c'est que personne ne sait comment l'enlever sans risquer de... Vu que vous avez commandité le vol de cette saleté, je me suis dit que vous pourriez m'aider. Comment sais-tu tout ça? Comment nous as-tu trouvés? Bon, vous pouvez m'aider ou pas? Oui, bien sûr, mais pas ici. On va rejoindre la crypte. Là, tu devras nous donner accès à la puce. Quand on aura les données nécessaires, on fera de notre mieux pour t'aider. Ouais. C'est bon. Je vous suis. Vous avez l'air d'adorer cet endroit. Et franchement, je vous sens pas trop la fibre religieuse. On a laissé nos dieux à Haïti, mais on est fort ici sans eux. Ah oui, c'est des Haïtiens. Par ici. Placide, comment ça se fait qu'il savait pas pour la biopuce? Il l'a pas reconnu sur les scans. Peu d'entre nous sont au courant pour la tour Konpeki. Konpeki. Je vais de la forcer là. Oula, ça m'a démangé. Où est-ce qu'on va? Tu le sauras bientôt. Le Watcher n'a pas remarqué la biopuce en toi. C'est étrange. Je leur ai pas laissé l'occasion. Tant mieux. Ça nous compliquerait le travail. C'est un ancien tunnel de métro? Non. Un bout du réseau intercontinental Maglev. Quand tous les états étaient connectés. Comme le net, il s'est effondré après la guerre. Virez courant! Putain, mais on est où là? Damn, c'est les Black Panther ici en fait. C'est l'endroit parfait pour te laisser interagir avec le construct. Alors vous devez avoir votre propre version de l'interface Simtech. On a notre propre version de tout. On n'utilise rien qui vienne de la ville. C'est vraiment Black Panther quoi. Attendez, minute. Je veux d'abord savoir pourquoi vous avez besoin de Silverhand. On veut contacter Al Cunningham. On sait qu'elle était proche de Silverhand. Alt? La relique qui était entre les mains d'Arasaka. C'est notre seule piste. Alt Cunningham. Je connais ce nom. Ah, c'est qui déjà? Oh. D'où? Et par qui? C'est quoi votre plan pour contacter Alt? On va tenter de récupérer une partie unique de l'engramme de Silverhand sur la biopuce. Alt le saura. S'il lui reste une part d'humanité après toutes ces années derrière le mur noir, elle répondra. Quoi? Vous avez jamais parlé de percer le mur noir? Je viens de le faire. Direction là. Connectée. Connexion instable. Ah oui, ok, allez, fire. Quand faut y aller. Faut y aller.
Qui monde qui parle protéger lui? Bon, et maintenant, Johnny. Paris plongé. Ah mais il plonge avec moi. Ah, c'est Inception là. Notre forteresse de données, notre forum. Une passerelle vers le DeepNet. Alors, on fait quoi? On peut commencer. Tout est prêt. On a amplifié temporairement ta connexion au réseau neural de Silverhand pour prendre le fragment. On doit trouver les données sur Alt, et rien que Alt. Ça devrait prendre le plus. Brigitte ? Ouais, 2013 quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pas le frapper, pas j'avais envie de frapper. C'est pas ton groupe. Tu joues pas en solo. Ouais, je pense que je suis la star. Tu vas te saborder, mec. Et le reste du groupe avec. Toi si, par contre, y a que toi qui as un problème avec moi. Parce que les autres ont complètement laissé tomber. T'es complètement taré. Je suis le seul à avoir une vision des choses. Alors, si t'as pas mieux à proposer, je te l'ai déjà dit, va te faire foutre. Oh, elle est belle, sa grotte. Putain. Quel concert, Kerry? Hein? Tu disais que tu viendrais pas ce soir. Pas si tu pouvais l'éviter. J'ai changé d'avis, chérie. Regarde-toi. Tout tendu et plein de sueur. Ken, quoi. Bon sens que c'était bon. Dommage que ça se résume qu'à ça. Faut toujours que tu foutes tout en l'air.
à chaque fois qu'on passe un bon moment. Surtout quand tu passes un bon moment, non? T'es vraiment qu'un connard quand tu veux, Johnny. Ça baignait entre nous, mais d'un coup, on n'est plus satisfaite. Putain, je rêve. Tu savais quand même dans quoi tu t'engageais, non? Écoute, si t'étais qu'un autre blaireau charismatique, mais narcissique, qui poursuivait son rêve de célébrité comme un gland, je m'en foutrais. Mais? C'est qu'un gros mensonge. Ce concert, samouraï, tout ça, c'est qu'une putain de fiction. T'es pas un rocker boy, Johnny. Admets-le. Tu serais plus à ta place parmi ces cinglés câblés qui écument de rage dans les rues en hurlant « Mort à Arasaka !» Ah, je vois. Tu crois que tu sais qui je suis, hein? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Regarde-toi, tu te mens à toi-même. Mais c'est sûrement ce que tu fais le mieux, te mentir. Tu nages en plein délire. On est là pour baiser comme des lapins, pas pour me psychanalyser. Ouais, casse-toi. On va en rester là pour aujourd'hui, hein? Tu peux te casser. Tu sais, je me disais... Oh, je vais la taper, merde, je voulais pas la taper. Tu pensais que ça voulait dire quelque chose? Qu'on était proches? Je vais pas faire ça, au point de pouvoir me faire chier sans arrêt? Ouais, eh ben tu t'es fait des idées alors. Je voulais tellement pas faire ça, putain. Hey, où tu vas? J'ai un rendez-vous. Silverhand! Hey! Trop fort le son, Choum! So, Swan, when I come and down. Allez, on vient de casser les couilles. Garde ta salive. Don't kill me, cause I'm zeros and ones. Allez, tu vas me faire la gueule combien de temps? Down the rebel path. Encore un moment, pas mal. Viens, faut qu'on se tire. Tu viens boire un coup, Silver Rocker? Une autre fois, Chumba. Mais s'il y avait pas d'autre fois, hein? Johnny Boy. Non! Oh, je suis comme un... Oh, comme un vieux. Oh, merde. Non. Allez vous faire foutre. Me touchez pas. Johnny. Lâchez-moi. Vraiment pas raté. C'est qui? Un poteau? Ah, mais non, c'est. Attends. Pas Victor. Allez. Réveille-toi. Ça faisait un bail, Johnny Boy. Johnny ça fait quoi boy. Deux semaines depuis ton dernier rafistolage. Alt, elle est où? Qui est où? La femme qui était avec moi. Il m'a ramené que toi. Merde, ils l'ont emmené. Personne n'a rien vu. Demande à ton sauveur. Il dit qu'il s'appelle Thompson. C'était toi, là-bas, sur Watts? Faut qu'on parle. Bon. J'ai recollé comme j'ai pu. Mais ça devrait tenir. Repose-toi un peu.
Quelques heures. Le temps que les sutures prennent. Ah. Johnny. Johnny. Ah, et puis merde. Tu m'écouteras pas de toute façon. Qu'est-ce que t'as vu ? Pas grand-chose de plus que toi. C'est elle qu'il voulait. Toi, t'étais au mauvais endroit. Et toi, t'es resté là comme ça, la bite à l'air, à mater comme un con en rêvant de demain. On se serait fait larder tous les deux si j'étais intervenu. T'as vu les réflexes du Zig ? Ce genre de tech, ça se trouve pas dans une... Ouais. Bon, tu cherches un scoop ? Non, je le tenais, mon scoop. Mais des Zig l'ont balancé au fond d'un van à... Tu comptes... faire quelque chose ? L'enlèvement. Tu sais même pas comment elle gagne sa vie, hein ? C'est une des meilleures runners au monde. Oh shit, je tiens pas sur mes jambes. Mais je me lève tout seul par contre. C'est elle qu'Arasaka voulait. L'enlèvement était un échange intercorpo standard. Rien de plus. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent ? Le tueur d'âme, une IA. Ouais, un peu. Une légende urbaine avec un... Tudgur, le tueur d'âme existe. Et Tetchumba d'Arasaka viennent de recruter la runner qui l'a écrit. Tu réalises ? Arasaka avec le tueur d'âme dans leur poche. Imagine un peu Rocker Boy. Arasaka... Mais quel ramassis de conneries. Bien, je t'écoute. C'est un coup vieux comme le monde. Ara... Ouais. Bon alors ? Hein ? Où ça ? La tour Arasaka. On va récupérer Alt. Quoi ? À deux ? T'as complètement perdu la boule ? Ouais. On dirait que t'as l'air d'adorer ça. Oh putain, c'est sa Porsche. Je t'attends dans la caisse, mais pas trop longtemps. T'attendra aussi longtemps qu'il faudra. Oh putain, je voulais la voir cette caisse. Elle est où, Rogue, bordel ? Ah, du coup, il va falloir aller voir Rogue. Assis. Pas bouger. Ren, j'ai ton autographe sur une facture, là. T'as pas vu Rogue ? On est en haut. Je croyais que deux... Ouais, bah t'as du mal comprendre. Putain de merde ! Hé, hey, Johnny, tu me files un coup de main ? Je croyais que tu voulais plus me parler. Ah ouais ? Et maintenant ? Maintenant ? Tu peux aller te faire mettre. Ouais, pute. Tu sais à qui il a causé ? Non. Un homme ? Johnny ! Comment est-ce que tu vas, Engels ? Il y a une réunion en cours. C'est privé. Est-ce que Rogue est là aussi ? Oh. Ouais, je sais. Réunion privée. J'ai entendu. Je te promets d'être super discret. Ouais, c'est pas son fort, la discrétion, quand même. Cette ville de merde. Johnny ? Rogue. Ça alors, ça c'est une surprise. Le lourd. On attend un client. Le genre qui apprécie la discrétion. Moi aussi, j'ai un boulot pour toi. Urgent. Mais ça paye bien. Bien. Te mêle pas de ça. C'est pas tes... Si. Depuis que le Rocker a sorti son larfeuille. Alors sois plus maligne cette fois. Alors le Rocker... T'as joué ses lunettes. Combien ? Je vous offre le double du prix habituel. Trip. Et tu nous accompagnes. Si elle te fait pas confiance, alors moi non plus. Marché conclu. C'est ça. C'est urgent, en effet. Bordel, Johnny ! T'as pas remarqué que t'étais suivi ? Monsieur Silverhand, vous allez venir avec nous. Pas de problème. Je finis juste mon verre.
Ah, c'est gavé quoi. Putain, quel. Attends, ça tombe quoi. Oh, je vise comme un vieux. Je vais te tuer au combat. Oh, mec, c'est stylé ça. Ouais. Viens, viens, continue comme ça. Allez, on se tire d'ici. Attention, ils arrivent. Je veux le voir mort. Ah pardon. Paris, que vous voulez qu'il y en aura d'autres en bas. Et du coup je vais devoir aller voir Rogue pour ça je pense. J'espère. On est garé devant. Tu viens? Thompson m'attend dans la voiture. Qui ça? Un journaleux, je ne connais pas. Encerclez-le. Putain. Découpé en deux, putain. Oh la Porsche, la Porsche, la Porsche, la Porsche. Y'a que comme ça qu'on sait de toute façon qu'il y a une corde. C'est bien passé. C'est utile finalement. Ah mais je voulais la conduire moi, putain. Foutons le camp. On sera juste derrière toi. En plus c'est une voiture à l'ancienne quoi. C'est stylé. Ah, je vais tirer sur ma bagnole. Attention, on nous file le train. Ouais, c'est mon live. Il y a un sac à. La caisse, on est foutu. En fait, tout ce qui est cinématique, c'est éclaté dans le jeu. Alors que tout le reste, en vrai, est trop bien. Sortir de chez Arasaka. Alt Cunningham, une Netrunner d'ITS. Ah. La tour, sûrement là-bas qu'ils l'ont emmené. De mieux en mieux. Vous comptez vous y prendre comment, les Pommards? L'un de vous a un plan? Ouais, on va faire du bruit, détourner leur attention. On va s'installer juste sous les fenêtres d'Arasaka et envoyer du gros son. Tout volera en éclats. Ce sera un concert mémorable. Start the riot! Start the riot!
sont sur place au pied de la tour Arasaka. Et ils sont tous du même avis, un agent psychoactif a été dispersé sur le site. Toute la foule est affectée. Génial! T'es en train d'enregistrer tout ça? Pourquoi? Tu veux faire une dédicace à tes potes? Fais ce que t'as à faire, mais te mets pas sur ma route. Thompson, tu le connais bien? Non. C'est important? Il m'inspire pas confiance. Et les médias, ça porte la poisse. Hein? Ça craint. Imagine qu'on trouve une vidéo après. Une vidéo de nous forçant l'entrée de la tour Arasaka. On s'occupera de ça si on survit. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Ce serait quand le combat? L'ordinateur central. Oh, lui, il fait jamais de la finesse, hein. Écoute. Prenez cette position! Fermez la brèche! J'arrive! Ah, c'est un tombe, faut pas abuser. La bestiale! Je touche avant. Donnez-moi une seconde, en charge. Couvrez-moi. Réglons ça rapidement. Encore un récupéré. Il y en a quatre. Il y a une brésique. Faites éparpiller en petit bout! Prêt. Il a pris cher, lui. Attention, Michel. Attaque contre les gars de la corporation. T'inquiète, moi je l'ai la solution. Laisse-moi essayer. Ok. Oh, les fils de pute! Essaie avec ça. Ah, on a bien fait de l'emmener finalement. Parfait. Il me tire d'où? Ah, le bâtard! Mais. Mais. Ah, il voulait pas mourir, cet enculé, le con. Conseil de ne pas la déranger. Qu'est-ce que vous avez fait à Alt? Je lui ai offert le projet de sa vie. Dégage de là! Lui, il rigole pas, hein. Halt. Halt. Allez, me fais pas ça. Elle est... Putain. Johnny. Qu'est-ce que tu fous, là? Putain, tu filmes encore? C'est tout ce qui reste à faire. Montre. Ça changera rien. Elle est... Bah c'est un connard d'un côté de filmer ça. On doit partir. Johnny, elle est morte.
Vas-y, crache ce que t'as à dire. Tu m'as jamais rien dit de tout ça sur Alt. Ah bon? Quoi, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Je sais pas. Que vous étiez en couple. Qu'elle a codé le tueur d'âmes. Qu'elle est morte. Comment elle pourrait nous aider maintenant? C'est un fantôme. Elle est pas morte. Elle a réussi à s'échapper. J'ai vu son corps. Alt s'est enfui. Sur le net. T'as découvert ça quand? Quand elle m'a contacté, un peu après. Et alors? Elle t'a dit quoi? Qu'elle était prisonnière du sous-réseau d'Arasaka. Mais qui pouvait rien lui faire. Et elle m'a aussi dit de pas aller la chercher. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé par me procurer 2 charges thermonucléaires. Et après, t'es retourné à la tour Arasaka. Les Voodoo Boys pensent savoir où elle est, derrière le mur noir. Là où personne pourra l'atteindre. Et Brigitte est bien décidée à y aller, à le percer. Juste pour contacter Alt, pour lui parler. Alors, on a peur d'être dépassé. Extrait un fragment. Maintenant, on est prêt à... D'abord, on doit aller plus profond. Au-delà, il n'y a plus de frontières. Au-delà du mur. C'est psyché, hein. Peu de gens sont passés de l'autre côté. Aucun n'en est encore revenu. Elle sera la première. Ma part du marché. À votre tour. Avant de traverser ce mur, vous allez me retirer la psyché de Johnny. Nous n'allons pas le traverser. C'est toi qui emmèneras le code de l'autre côté. J'ai pas vraiment le choix, on dirait. Vas-y. Comment je fais pour le traverser? Brigitte? C'est le mur noir pour me voir. Ça veut dire qu'entre toi et moi, ça va? Tout va bien? J'ai reconnu le code de ton engramme. Mais j'ignore pourquoi tu es là. Pour que tu puisses me remercier de t'avoir sorti de la tour Arasaka. V, je te présente Alt, la meilleure netrunner de l'histoire de Night City. Alt, voici V. Il faut que tu lui sauves la vie. Ça va me coûter quoi, pour que tu me sauves la vie? La propagande de Netwatch a été efficace. Ai-je l'air d'un démon qui va t'obliger à signer un pacte avec ton sang? Écoute, j'essaie juste de rester en vie. Je ne peux pas t'aider. Tu peux pas ou tu veux pas? Je ne peux pas. Pour pouvoir essayer, il faudrait que j'aie accès à une technologie plus avancée. Quoi? Mais c'est ta tech. Tu as créé le tueur d'âme. Le programme que j'ai créé n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'Arasaka a fait depuis. Bon. Et Mikoshi, t'en dis quoi? Ce serait assez avancé pour toi. Si j'avais accès à Mikoshi, alors elle cesserait d'exister. Bien, on va pouvoir s'entendre.
On te fait entrer dans Mikoshi et tu es élevé. Marché conclu. Concrètement, tu peux faire quoi pour moi? Tout le monde m'a dit que c'était trop tard pour moi. Tout le monde, ça veut dire Hellman, la crevure. Avec le tueur d'âme intégré dans Mikoshi, je créerai un construct de toi, puis je démêlerai ton réseau neural. Ensuite, je réinjecterai ton engrais. Bon, on a un... Mais comment atteindrez-vous Mikoshi? J'ai créé des armées. C'était des enfants du net. C'est ça. Nous, on mise sur le facteur humain. On va ouvrir une fenêtre, te faire entrer dans Mikoshi. Alors, t'es d'accord? Oui. Trouvez un moyen d'entrer dans Mikoshi. Je vais préparer un programme pour vous aider à naviguer. Je te contacte comment quand je suis prêt? Voici une adresse de forum. Ce sera notre canal de communication sécurisé. On fait quoi pour les voodoos? Ils ne te feront rien. C'était nos conditions. Ok. Tu as réussi à survivre alors? Sûrement pas grâce à vous. Ne le prends pas, personne. On cherchait le construct de Silverhand. Ouais, ouais. Et ça vous autorise à vous servir de moi? C'est comme... Tu oses me faire la leçon? Je préfère qu'on règle. Je parie que les autres ragnons vivent pas assez longtemps pour ça. Ça suffit. Alt peut te protéger dans son royaume. Je devrais m'en sortir quand même. Pas au morceau là-dedans. Oh, je l'ai joué sauvagement là. Ah, Bogit, c'était une pute. Par contre, je m'attendais à avoir du meilleur matos d'elle. Merde, ça commence à être plein. Peut-être un peu limite. Enfin, tout ce qui est blanc, je le démonte comme ça, c'est moins cher. Mais non! Encore trop de trucs là. Putain, encore, c'est pas possible. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs quand même. Merde. Ouais,
fait valoir un peu plus. Saloperie à pas loin, non? Ah, c'est de l'acide. Ah. Massacré. Tu me dis, hein. Ah, une petite belle. Je suis pas bien, moi. C'est quoi? C'est la biopuce? Ouais, ça. Alors, je suis enceinte. Ah, t'es sûr? Ça doit pas être si grave, si t'en rigoles. Putain! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Ouais, je sais. Anéantir le Massacre, détruire le cochon, bla bla bla. Hé, hey, t'es vraiment en train de devenir comme moi? T'as peut-être raison. On n'arrête pas de s'engueuler comme deux petits vieux sur le banc d'un parc. Je crois qu'il serait temps qu'on se fasse un peu plus confiance. Je sais pas du tout. Moi, c'était de devenir une légende vivante. Là, c'est à peine si je surveillais. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Non, putain, je vais dire pour ça. Ok, c'est parti. Merde. Ouais, je suis pas trop en forme là. C'est quoi qui vient là? Elle me fait des trucs à chaque fois. Non, 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 stop les belles. Non, je suis plus terrain avec la moto. Alors. C'est riche là quand même. Tac. 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 Ah là, ça va mieux déjà. On peut. C'est de la merde ça. Ah ouais, après je vends des trucs en vrai, je regarde pas trop même. J'ai lui. Bon bah écoute. Oh, il est 800 en plus. Allez. Voilà, là on est bien. Là on est mieux. Alors, voyons voir. Là, on va y faire ça. Netrunner!
J'avais envie d'y aller comme un sauvage. Un peu. Oh! Lui, apparemment, c'était une vraie grenade qu'il avait sur lui. De merde, là c'est pauvre là en fait. Donc, c'est mieux de prendre la moto. Là. Ah, je connais pas trop en vrai cette zone. Parfait, j'aurais une pièce à jouer. Elle marche, elle, ou pas? Deux là en fait. Ah ouais, j'aime bien la bête. Je commençais à m'impatienter. On vise la tête, rien d'autre. T'as un sabre, mon gars. Stop level. On va y aller par là. Bon, on va laisser celle-là. Aide. Oh, ça peut être pas mal en vrai. Déjà, on va faire ça. Oh merde! What the fuck, j'ai pas du tout vu ce que j'ai fait là. Pourquoi ça s'est décalé? Je comprends pas. Ok, je suis complètement loupé. C'est un échec total. Oh, un petit peu, comment ça... J'entends ! C'est qu'un connard ! Hein ? Oh, le con ! Il se passe quoi ? Et montre-le-moi, putain ! Bien, vous m'avez trouvé. Bravo. Ça en valait la peine ?
Sur une échelle de 1 à 6 Elle est trop loin. Oh. Oh merde, merde. Oh shit. Tu prends cher un peu. Tu fais saccager quoi. En fait, elles font chier ces toiles de merde là. Mode amical. Ah non, mais attends, mode amical fait que. Sur une échelle de 1 à 6. Je pense savoir que nous savons ce qui va se passer ensuite. Tu manques à de la mail. Je viens t'arrêter. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Allez trop loin. Ah ouais, je récupère tout, moi je suis en bas. Non, Nova, c'est toi. Ah ouais, putain, je pouvais pas. Elle va bien. Pas ouf. Alors, mes belles. Parce qu'on a récupéré pas mal encore. Avec... Il a un hang. Salut Judy, ça roule. Incroyable. Tu peux venir, vite. Il s'est passé quelque chose? Ouais. Dépêche-toi. Juste aller voir un truc. Mission annexe, je pense. Mais merde. Les véhicules, on a quoi là? Arche Nazareth 138 000. Là, ça peut commencer à être intéressant. Arche, putain, mais non, mais moi, c'est pas des arches, je crois, les voitures.
C'est des quadras. Oh, elle, y a moyen que ce soit ça. Vas-y, on va aller voir. Jamais allé là, je crois. Oh. Alors, il y a des fringues là, peut-être des fringues cool. À plus tard. Ok. Et parce que bonjour à ta sœur de ma part. Ouais. Qu'est-ce que tu. Ça, ça va. C'est quoi ça? Ah ouf. Ouais, les lunettes sont moches, putain. Un peu des fringues à l'ancienne, mais. Mais les lunettes sont moches, quoi. Ouais. Pas ouf. Ouais. Merde. Ah, ça va devenir peut-être mon nouvel objectif là. Au début, je trouvais la conduite impinable, finalement, ça va. Ah ouais, ça t'empêche de passer ça. Comment ça, ils savent pas que je suis là? C'est pas entendu. J'espère pas. Merde, faut pas verrouiller. Ok, intéressant. Intéressant, je l'ai mis, ouais, ok, ça commence à être pas mal. Hein. De le faire plus bas. Ah ouais, je fais n'importe quoi. Pas complètement, mais un peu quand même. Je
toi! Les armes en vrai sont pas mal en plus. Hein. Mais putain, pourquoi je peux pas? Pas fixer les gens. Tu l'as jamais dit. Parce que c'était ça qu'il fallait prendre. Et pas du tout l'autre truc. Je suis un peu deg. Et ça, ah bah si voilà. Bon, sur tout gâteau. C'est bien intéressant là, je pense que niveau puissance. Alors on va ça. Alors je mets ça. Après c'est pas le même type de flingue. Hein. Et j'arrête. Bah non, pourquoi ça m'a remis ça, putain. Cette fois-là, j'ai tout payé. Je le jure. Oh, oh. Putain, jaune comme ça, elle est belle en plus. C'est quoi? C'est une quadra, quoi, ça? Juste une quadra, quoi. Je me rate sur ça. Je rejouerai plus tard.